conseil présidentiel, mesdames et messieurs, qui a osé offrir ancien sénateur Guy Philippe, mesdames et messieurs, poste ministre dans le pouvoir. Eh bien, les gens là qui ont même senti ça pral gagner dans le jour qui vient là, pas douce pour eux, ça pral passer dans le pays ça, franchement, c'est maman petite Marie Senti. Eh bien, les gens là ont proposé Guy Philippe qui porte 5 postes ministères. Eh bien, Guy Philippe dit lui-même, il n'est pas dans le pouvoir. Et bon cathédrale ça on pouvoir pas gagner pour le ak donc changement pour pays ça parce que yon équipe nèg qui dans pouvoir c'est des nèg qui étaient dans pouvoir Ariel là jodi a et ben qui ont même al participer dans pouvoir et carré comme ça et ben Guy Philippe qui dit même pas mettre de l'eau dans bouche li pour tout faire un message piment bouc ba communauté internationale là qui font bouille vide mettre un conseil présidentiel et côté gen 9 membres bon franchement personne pas fin connaît combien membre qui en dedans et conseil ça parce que nous connaît les grands pays nous rien pouvoir et nous voit Joseph Lambert nous voit Yuri Latorti nèg tal l'installation conseil là pas besoin d'ou gen pour nèg ça ou gen ministre en bas dans pouvoir et ben nous va inviter au côté déclaration choc et ancien sénateur Guy Philippe dans micro la presse et gagner tout mesdames et messieurs la médaille d'Haïti qui au même et victime là côté gagner des eh ben et soldat l'armée qui victime en bas coup de balle nèg azamyo et nèg vivant samyo k'ap fè des ordres dans pays ça yo doit faire révolution bon cathédrale mais nèg continuer donc a frappé la police très fort ken pral invité au temps de la tour ancien et officier l'armée d'Haïtien colonel Himmler Rebu qui fait tout moun honte des moun qui te croit dans colonel là et ben les regarder le colonel qui te konap et goumen contre conseil ça et ben je dis qui est qui en dan conseil là bien fort et ben c'est colonel là Himmler Rebu on écoute pour plus détail n'a tout Jean Joseph Dallas fait choix de Guy Philippe comme président pays son bon choix qu'il a pied parce que Guy Philippe son nèg qui fait académie militaire et son monde qui comprend réalité politique pays là Jean Joseph Dallas il gon équipe qui ensemble avec lui il ca mener pays à bon port il a besoin pouvoir moi garantie si mener pouvoir si moi les pile petit bagaille ça aujourd'hui là me dit monsieur et m'a je l'entend avec nous bon 3 ou 4 ministères mais t'as trois côtés bon moi en va me finir là avec le pile petit bagaille oui mais t'as bon moi longtemps si moi de là son mandé là on vient lui mais même si moi de trois bon 6 ministères là bon donc mais qui ça peuple t'a pas joindre même qui ça haïtien a joindre qui ça haïtien a joindre nous pas négocier avec nous qui mal prend pouvoir peuple là c'est patron américain choison n'a pral là n'a mobiliser n'a demander pour faire tout et puis tout si américain cap décider je dis à la caricom ni mettre ça au Port-au-Prince nous même pas haïtien cap décider nous mettons un gouvernement au caï nous mettons au cap nous mettons une gonaïve nous mettons une léogan nous mettons une tigouave nous mettons une jérémy gavel oui c'est pas un annonce on fait là non moi dis peuple la cafel si n'a ça sans aucune autorité sans légitimité cafel peuple haïtien lui-même qui légitimité à c'est dans peuple allié même c'est peuple là qui vient qui les immigrés peuple qui a décidé lui-même de mettre 5-6 gouvernements tout d'une dans chaque zone moins qui est-ce qui a dit peuple là pas gain raison qui monde qui a dit peuple là pas gain droit qui l'autre monde qui gain droit là je dis États-Unis avec la France et le Canada pensent c'est une communauté internationale et puis vous parlez au nom de la communauté internationale ou les amis d'Haïti à la descente Haïti gagne papa il long ou de la longue ou de la difficile nous t'es compté nous t'es pensé que et non sur ce non bagaille patriotique police nationale là t'as montré à la hauteur de situation nous t'es pensé que l'armée d'Haïti lui-même pas la tomber encore côté au sortir là nous pensons bah là t'as fait faire plus vite mais malheureusement police nationale a montré le comportement d'un milice politique et l'armée d'Haïti lui-même malgré que nex a été humilié crasé ou démobilisé ou battu en 1994, je dis à là encore, la médaille. C'est dit ou a dit nous là, malgré toute mobilisation qui n'a pas gardé ou, nous, elle, pas plus tard qu'avant hier, la France, gros mobilisation, des mouns qui a demandé Guy Philippe, nous, elle, le Canada également, c'est gros mobilisation, des mouns qui a demandé Guy Philippe, nous, elle, dans plusieurs villes, ici, en Haïti, également les États-Unis d'Amérique, malgré toute volonté ça, mobilisation, mobilisation ça yo vous voulez dire nous c'est la police également la mais jusqu'à présent qui campait t'es face à ça pour qui empêcher le fait oui la police c'est bras armé États-Unis d'Amérique en Haïti son comme institution ça pas veut dire pas mon policier non ça pas veut dire pas des policiers pas d'accord ça cap fait en pile pas d'accord mais malheureusement décision institution prend yo c'est toujours en faveur et dans les États-Unis on prend et pas quoi qu'on saisit
ou qu'on est que on est pas capable commissaire, pas capable DCPJ, pas capable DCPA, pas capable directeur police si c'est pas ambassade américaine qui choisit ou. Donc c'est patron qui choisit, patron du crasé, patron du tirer sous peuple chat avec tant ou tirer sous peuple tant chat. Philippe directement dans la capitale et pays d'Haïti, on a parlé de Port-au-Prince, nous capables de gagner deux militaires. FADA, ça c'est pas 7 militaires encore. Nous avons parlé, nous parlé de yon sergent avec yon caporal. Nous avons parlé de zone dans l'hôpital général. Jeudi 25 avril, nous avons bataille qui est gagnée ensemble avec un monsieur vivre ensemble. Mais les deux membres FADA, ça nous avons parlé qui est blessé par balle. Jeudi 25 avril, nous un bon l'hôpital général, nous connaissons avec un vrai base, nek exam gang iso. Mais Koubayo, je te toque entre eux même, il y a un sergent avec un caporal. Pour le sergent et un caporal, je te prends un embuscade, et mais vio pas tellement en danger, c'est notre salle nous apprenons. Mais il y a deux membres FADA, c'est deux membres. Mais la d'Haïti, il y a même un bon côté Fayo qui arrivait, nous avons dit que blessé en babalant. Et bien, dans le cadre de procédure, M. Vic Ansemio, tu as fait sous palais national. Mais, je ne vais pas parler de palais national, nous apprenons tout, M. a barré palais avec conteneur, en plus conteneur. Et bien, M. a barré, nous avons dit, tout entrepreneur mais palais national, et bien, pour permettre, pour empêcher. Et bien, mon nous avons parlé de l'examen arrivé dans le périmètre là, ça veut dire qu'il y a une zone en monde qui connaît le palais national. Tu as sorti par question, tu as sorti. Et bien, par la lune, et bien, nous avons parlé de votre plan, les barrer, nous avons parlé de l'entrée. Zone Avenue Christophe a commencé à barrer. Et bien, ça, dans le cadre pour monsieur, on va parler, n'est pas le président conseil présidentiel, pour être capable de venir là, il était quand on a parlé, et bien, bon, chose qui faut bon côté la police, pour mettre des conteneurs, pour barrer toute entrée par le national, sauf Avenue Mani. Quand vous avez un bois venant, quand vous avez un espace pour capable de rentrer dans le palais national, mais vous allez faire tout. Le pays avait un désastre. Mais notre position en tant que lui est claire dans l'analyse de notre que le pral mène le pays avait un désastre. Mais notre position en tant que ligne politique pour Haïti, ce n'est pas bien content. Chita tant de désastre l'arrivé pour nous dire nous avons raison. C'est qui ça nous capable de faire? Pour nous aider le gouvernement qui est là pour empêcher que des assassins arrivent pour tout Haïti. Parce que nous, nous ne sommes pas des fanatiques politiques. Nous sommes des gens qui pensons Haïti. Et dans l'interview que nous avons fait avec Lundbral River, par exemple, nous arrivons à la Jamaïque. Ce n'est pas eux qui viennent côté. C'est moi qui ai le côté Alix Richard, qui est secrétaire conseil des ministres pour Dr. Ariel Henry, à le côté Sorel Jacinthe, qui ont signataire fort de 21 décembre, m'a dit, mais monsieur, nous pas, ouais, ligne nous prend pour aller mener le pays à un désastre. L'idée n'est pas d'abattre le docteur Ariel Henry. Ça, ça va le rapporter, le docteur Ariel Henry était tombé politiquement, le était politiquement. Mais pendant qu'il est là, tout désastre comme Gavel, là, c'est lui qui a dirigé le pays. Et s'il mène le pays à un trou, moi-même, moi déjà dans un trou avant, comme citoyen. Donc, si je fais des choses pour empêcher la tomber dans trois, je fais. Et comme de fait, je suis allé au docteur Ariel Henry à la Jamaïque pour me dire le docteur, l'ingwa prend pas bon. Et même Montana, nous sommes dans un atelier côté Magali Komodeni était là. C'est nous qui avons défendu le principe du collège présidentiel et qui te dit que 21 décembre, li constitué de femmes et de garçons qui haïtiens, qui ont dans le pays, qui ont droit, bay mouyo dans la question politique pays. Nous pas venir là pour nous dire pour yon jeter 21 décembre, vous yon jeter. Nous dit pour 21 décembre comprendre que système monocéphale là allait contre la base des lois haïtiennes, yon pas jamais qu'à briver un résultat. Même si yon t'a choisi, voyez Dr. Ariel Henry, non, et collège présidentiel là, nous pas venir droit dire 21 décembre, pas venir droit. C'est un dans collège là, yo pral entendre pour yo wè si la gen présidence conseil là ou si son l'autre monde. Mais ça permet nous débloquer situation politique qui bloque tout pays. Quand si tu permets pour me finir avec oui. Dr. Ariel Henry. Là nous vinn rivé CARICOM nan rentré en Haïti. C'est même affaire CARICOM nan. On dit non, on nous pas parler avec CARICOM. Côté nous là, nous obligé parler avec tout le monde. Et le, parce que si nous avons sorti pour contre, nous avons pris une décision, nous sortir.
Maintenant, le CARICOM vini. Le moué, dernier voyage CARICOM, nous pourrions aller échouer encore. Mais réelé sur El Jacen. Je dis, moi, quoi ça, c'est on est sur le pont de la dernière chance. Je ne peux pas quitter ça pour arriver, docteur Ariel, il faut mal parler avec docteur. Dans la soirée, sur Ariel, je dis, docteur, il n'y a pas de problème, il a rencontré avec vous. Est-ce que vous venez la caillou? Est-ce que vous venez la caillou? Ou bien vous rencontrez son terrain? Je dis, non, docteur, dans la position de mon premier ministre, je vais rencontrer avec lui dans le bureau, si ça va déranger. Effectivement, je suis allé voir le docteur Ariel, il nous chita pendant plus de 45 minutes. Je vais expliquer, monsieur, que le pral tombe dans le trou. Et que ça a des conséquences très graves pour le pays, pour sauver tête et lui-même grand monde, et pour éviter le pays à ça arriver, on mettait en place à faire collège présidentiel là. Il pas dit non, il pas dit non, mais quand il est rentré dans la salle côté de la plénière là, il a changé toutes données et à la fin il retournait sur même positionnement. Là permet que gain élargissement HCT, là permet que l'opposition gagne des places dans le gouvernement, c'est tout. Alors là, bien content, et toute explication ça encore bail là, sous ligne qu'on toujours suivre. Nous avons une ligne depuis plus de 20 ans. Qui t'a voulu dire comme quoi, même là, nous avons position, mais nous avons certaine flexibilité. Je l'ai dit. Nous montrer, théoriquement, pour éviter le pire. Écoutez. En principe, pour éviter les catastrophes. Li à la théoriquement. Li à la fois. Qui t'aime fini, ma oui. Pral dio. Mm-hmm. Mais toutes les fois que il y a un problème de communication, toutes sortes de choses, c'est des bagailles qu'a fait et capable de dire des rideaux. Oui, oui, oui. Toutes les fois que pas de communication, et que, et ça c'est un problème qui pose pour toute partie, oui. Pas gagné un organe d'expression oui. Des partis. Est-ce qu'on peut penser que il y a une série de chassés croisés? Bon, une série de nuances. Que nous n'a pas cap saisi s'il par gain élément yo. Les chassés croisés. Si tu permets. Non, non. Qui vient paraître tant que ça que nous yo défini comme abolotcho. Sou permettre mais écoute. Dans interview que me dégain avec Wendell Theodore. Et m'ta invité en pile moun à écouter interview ça que t'ai fait le 1er avril. Wendell dit mais colonel, m'pas comprendre. Ou expliquer nous très clair pour qui ça bagay qui pral fait là le pas bon. Ou dans un groupe 30 janvier. Qui lui-même d'accord avec le collège présidentiel là, Jean Pral monte à Jean Pral. Je me dis oui, je fais partie du groupe. Et premier bagarre, pile moun, pas qu'on est, pas qu'on est qui ça, un officier. Et quand pile moun qui gagne image, un officier, son dictateur, alors, dans l'image collective, et son brut, son moun qui a tiré, et son moun qui a fait la force. Alors que un officier, un vrai officier, c'est pas ça, du tout. Et pire, s'il rivait un officier d'état-major, et les lignes de principe dans l'armée. Et c'est ça, on l'armée pas jamais dirigé par yon moun. Il y a un moun qui l'interdit généralement le chef d'état-major. Pour qui ça? Il y a 5 sections qui étudient la question du personnel, les questions du renseignement, les questions des opérations, les questions logistiques, les questions liées aux affaires civiles ou militaires. C'est les jeux. Voilà. C'est tout G1, G2. G1, 2, 3, 4, 5. Le revue modernisé, qui a toute une série d'études qui fait, qui vient faire ça pour procéder à une décision. La réunion au fait. Entre parenthèses, vous n'avez pas un officier d'état-major. Oui, c'est ce qu'on appelle un officier d'état-major. Mm-hmm. Dès que tu traverses le grade de major, tu rentres dans la ligne des officiers de commandement. Mm-hmm. Donc, là, ça oblige à étudier stratégie, prolonger étude dans justement ça qu'a fait là, la guerre. Notamment la première guerre, c'est la guerre psychologique. Il faut une grosse connaissance en sociologie et en psychologie pour capable maîtriser ces nuances-là. Et c'est un petit peu ça, on a vu là, sans que nous ne connaissions pas l'application de la science. Là, il y a un problème qui vient poser dans le niveau. Moi, je dis premièrement, sur le plan légal, moi, je ne peux pas comprendre qui phénomène qui peut expliquer qu'un gouvernement qui tombait pour inefficacité,